先輩先輩先輩先輩。Arrête de me chauffer Nagatoro ou Nagatoro-san est un manga de type shonen, de genre comédie, romance, tranche de vie et de thème harcèlement. Son auteur est Nanashi, son éditeur japonais est Kandesha et français Noev Graft. Prépublié sur Pixiv, magasiné sur Pocket. Sa sortie initiale est le 1er novembre 2017 et il est actuellement en cours. Il a 10 volumes à son actif. Son résumé, Nagatoro est une seconde... Ayase Nagatoro. Nagatoro est une jeune lycéenne de 15 ans. Elle aime taquiner Ashioji et traîner avec lui. Chaque fois que quelqu'un d'autre tente d'intimider son senpai, elle devient très hostile envers lui. Ses amis l'appellent Ayashi et semblent parfois l'ennuyer. Naoto Ashioji. Ashioji Naoto ou Senpai. Senpai est une personne introvertie et timide qui essaye d'éviter les interactions sociales avec les autres et aime dessiner. Après avoir rencontré Nagatoro, il commence à traîner avec elle et ses amis. Il prend confiance en lui au fil du temps. Senpai a quelques amis qui l'appellent Naokun, mais Nagatoro ne l'appelle que Senpai. Son nom complet n'est cité que dans le webcomic original. Maki Gamu ou Gamo-chan. Gamo-chan est un membre du groupe d'amis de Nagatoro. Elle est la plus mature du groupe et malgré son apparence sévère, elle agit souvent comme une grande sœur avec eux. Il y a une rivalité entre elle et Nagatoro. Elle aime appeler Senpai Peizen. Et bien qu'elle soit très critique envers lui, ils deviennent amis au fil de l'histoire. Yoshi. Yoshi est un autre membre du groupe d'amis de Nagatoro. Elle suit généralement Gamo-chan. Elle n'est pas très brillante dans ses études, mais a un mental d'acier. La plupart de ses discours consistent à répéter ce que quelqu'un d'autre a déjà dit. Sakura. Sakura est une personne douce et discrète. Elle a la peau plus foncée comme Nagatoro, avec des cheveux blonds. Elle parle souvent de sortir avec plusieurs garçons, à la fois pour s'amuser. La présidente du club d'art, Ubucho. Il s'agit de la présidente du club d'art. Elle a de longs cheveux qui encadrent son visage avec des yeux cramoisis. Elle est sévère et sérieuse. Elle a beaucoup de respect pour Senpai, mais moins pour Nagatoro. Big Sis Toro ou Anne Toro, la grande sœur de Nagatoro, c'est une universitaire qui se soucie énormément de sa petite sœur et adore la gâter, mais elle aime aussi la taquiner et la gêner souvent. Elle est une figure modèle et une confidente pour Nagatoro. Orihara. Orihara est une judoka de niveau olympique qui est en compétition au lycée avec Nagatoro et les amis de Senpai. Lorsqu'elles étaient des enfants, elle et Nagatoro pratiquaient le judo. Mais comme elle est devenue beaucoup plus forte, Nagatoro a commencé à perdre la passion, l'abandonnant finalement après avoir été battu par elle dans un match. Allez, Jana. Falling in love, 君の